Good morgen, allez, Yidden, et tu seras aujourd'hui le Mishvat Avram Chayn, Orbe, bonne fortune, Mazal, et Yedida, Batester. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de la Mishvat, comptez peut-être 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Kritut, Perek Aleph, Mishnah Vav. Hamapelet, Or, Lishmonim, Ve'echad, Bet, Shamay, Potrin, Minakorban, ou Bet Hillel, Mechayvin. Amrou, Laem, Bet Hillel, le Bet Shamay. Maishna, Or, Lishmonim, Ve'echad, Miyom, Shmonim, Ve'echad. Im Shavelo, le Touma, Luishvelo, le Korban. Amrou, Laem, Bet Shamay, Lo. אם אמרתם במפלת יום 81, שכן יצא בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן, תאמרו במפלת אור ל-81, שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן, אמרו להם את הלל והרם מפלת יום 81, שיכול להיות בשבת תוכיח, שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן וחייבת בקורבן. אמרו להם בית שמאי, לא, אם אמרתם במפלת יום 81, שיכול להיות בשבת, שאף על פי שאינו ראוי לקורבן יחיד, ראוי לקורבן ציבור. תאמרו במפלת אור ל-81 שאין הלילה ראוי לו לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור. הדמים אינן מוכיחים שהמפלת בתוך מלות דמיה טמאין ופטורה מן הקורבן. משנה כסרט לונג דנימו מקיטור נוטו דן סוג'ה סופר אינטרסן. רגענו לברטנורי הלונג פטלמן פסקו באמת זה בעת פסילמן קומפרנסיב בעזרת השם. אין קומנס דבר עוריר פרשת תזריה. תזריה, הוא בפת הוליר פסקו כמם פעמי תחור הלונג'ה סורלי אינטרודיקציון. Et concrètement, on parle en parashat Tazria d'une femme qui va accoucher un garçon et accoucher une fille. Elle a des halakhot comme ça, ça se passe comme ça. Il y a, pour un garçon, pendant 7 jours, elle est impure, après elle se trempe au mikvé, après elle, cette femme-là passe 33 jours où elle est entre la pureté et l'impureté. Elle est permise à son mari, même si elle voit du sang, chose qu'on ne fait pas à notre époque, n'appliquez pas ça. Aujourd'hui, on a une takana, une femme... On attend, même une femme qui a accouché, on attend qu'elle se purifie avec les Shavan et Kiyim, en faisant tous les psychotements. En tout cas, selon la Torah, parce qu'il y a plusieurs raisons. Ouais, il y a plusieurs raisons pourquoi il faut craindre. C'est très compliqué, un jour on étudiera Bezrat Hashem Nida, on expliquera tout ça. En tout cas, donc pendant 7 jours, elle est impure. 7e jour, elle finit sa jour, elle se trempe, et elle est permise à son mari. Après, pendant 33 jours, même le sang qu'elle va voir, ça s'appelle du dam tohar, du dam pur. Et à la fin des 40 jours, elle doit ensuite apporter son korban pour finir sa pureté. Tant qu'elle n'a pas porté son korban, elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Alors on va s'en prendre. C'est tout un problème rituel quand elle amène son korban. Ça, c'est pour un accouchement d'un garçon. Pour une fille, on double tout. Elle est impure pendant 14 jours, même si elle n'a pas de sang du tout, qu'elle fait des bdikot, elle ne peut pas se tremper au mikvé. 14 jours d'impureté. Après les 14 jours, elle se trempe au mikvé. Et après, elle passe 66 jours de dam torah, avec ce fameux sang pur. 66 jours. Après les 66 jours, ça va faire en tout 80 jours depuis la naissance. Alors, le 81e jour, elle devra apporter son korban. Je vous lis ça dans les pasouks, si déjà j'ai ouvert le livre. Vim nekeva teled, et si elle accouche. Il y avait là-bas, on a commencé. Vaïdaber Hachem, Moshe est mort. Vaïdaber le Israël est mort. Isha kitazria, veyalda zahar, elle accouche un garçon. Vetame Hachila Tamim, elle sera impure pendant 7 jours. Ou Nida de Vota Titmar. Ou Vayom, elle sera impure pendant comme une Nida. Ou Bayom Hashmini, Mol Besardoto, le 8e jour, on lui fera le Brit Mila au garçon. Et après, ou Shloshim Yom, ou Shloshatamim, Tesha Bidme Taora. Et pendant 33 jours, ensuite, elle sera en situation d'avoir du dam tohar, du sang pur, qu'elle ne pourra pas toucher, manger des kochim, mais elle pourra pas rentrer au Beth Amikdash. Et là, la Torah continue en disant le pasukhe, on est dans Tazria, Yudbet, Vaikra Yudbet, Tazria, donc pasukhe, Vimne kevatele desi, elle accouche d'une fille, Vetamea Shevuaim Kenidata, elle sera impure pendant 2 semaines, comme une femme qui a la Nida, menstruée. Et après, pendant 66 jours, elle sera avec cette situation, elle patientera avec son dame Taor. Et ou vimlot yemet Taora levanon lebat. Et après, une fois, la Torah nous continue en disant quand elle conclura ensuite, quand elle complétera ses jours de pureté, donc 33 ou 66 selon garçon ou une fille, levan ou lebat pour un garçon ou pour une fille, eh bien, ta vie, keves ben shnato leola. Ou Venyona Otor le Khatat, elle devra apporter un keves, un mouton âgé d'un an pour un korban. Ola, ou Benyona, Otor le Khatat, ou bien un Benyona, un pigeon ou une tourterelle, en Khatat, et le Petach ou El Moed, elle portera au Beth Amikdash, et le Kohen le fera, et comme ça elle sera pure. Et après, la Torah me dit aussi, et tu sais, si toutefois elle a Vim Lotim Tsayada Dessé, si elle n'a pas les moyens d'acheter un mouton, eh bien elle pourra apporter Shtetori Moshne Ben Yona et faire un Khatat et un Ola. Un Ola et un Khatat dans l'ordre. On commence par le Ola. Non, excusez-moi, un Khatat et un Ola. On commence toujours par le Khatat et après un Ola.
D'accord? D'abord, on expie la faute, après, on amène un cadeau au roi. Et concrètement, maintenant, donc, ce qui m'intéresse maintenant, regardez, on va succinctement. Il y a 14 jours, on n'en parle pas, la femme, elle est impure. Après les 14 jours, elle se trempe au milieu. Après, elle a 66 jours où elle a donc cette particularité qu'elle va voir le Dame Torah. Même si elle voit du sang, elle est, selon la Torah, pure. D'accord? Donc elle s'est trempée après le 14e jour, elle reste pure, mais elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Arrive le 81e jour, elle devra apporter un korban spécial, korban Yoledet, et une fois qu'elle aura apporté son korban Yoledet, alors elle pourra entrer au Beth Amikdash. Ok? Maintenant, j'introduis autre chose. Une femme, ça arrive, que même si elle a couché, eh bien, elle peut retomber enceinte même tout de suite. Ça arrive des fois. Ouais, très rapidement. Donc maintenant, on va se retrouver. La Mishnah va parler d'une situation assez originale. Je donne d'abord la halakha qui va avoir la dernière phrase de la Mishnah. Ça se passe comme ça. Imaginez qu'après les 14 jours, elle s'est trompée au mikvé, et puis elle est tombée enceinte tout de suite. Et puis, elle va avoir un embryon de 40 jours, au moins. Ouais, on était au 14e jour, elle arrive au 54e jour, elle en a jusqu'à 80. Elle va avoir un embryon, puis après, elle va de nouveau faire une fausse couche. Donc, en théorie, lorsqu'on fait une fausse couche avec un embryon qui a atteint le 41e jour, eh bien, elle doit porter un corban, parce qu'elle a fait un deuxième accouchement. Alors là, il y a une halakha spéciale. Lorsqu'elle a accouché une deuxième fois, pendant les 80 jours, eh bien, elle apportera un seul corban pour tous ces deux accouchements, pour le premier puis pour le deuxième. Ouais, vous avez compris le cas? Elle a accouché, elle a eu un enfant, et puis après, elle est retournée enceinte, et elle a accouché une deuxième fois, mais encore dans les premiers. Elle a accouché une deuxième fois, bien sûr, un fœtus qui est mort, mais qui a passé les 40 jours. Donc, elle devrait, en théorie, une femme, toute femme, d'abord, toute femme qui tombe enceinte, et après le 41e jour, elle va faire une fausse couche, elle doit apporter un corban yoledet, comme ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah d'Alet. Mais non, cette fois-ci, puisqu'elle a accouché pendant les 80 jours, eh bien, elle se contentera d'un seul corban. Par contre, si elle atteint le 81e jour, depuis le matin, je passe à l'autre extrême maintenant, on a dit durant les 80 jours, et puis après le 81e jour, le matin. Après, notre Mishnah va parler exactement de la nuit du 81e jour. Pour le moment, au matin. Donc, le matin, elle se lève, 81e jour, elle a un devoir d'apporter un corban. Maintenant, cette dame-là, en fait, elle est déjà tombée enceinte. Pour le moment, aucun problème. Tu es tombée enceinte, ok, tu apporteras quand même ton corban sur la première naissance. Lorsque le deuxième naîtra, eh bien, tu apporteras une deuxième fois un corban. Ce qui se passe, c'est que le matin, la pauvre, elle fait une fausse couche. Et ce bébé tombe. Combien de corbanotes elle devra apporter? Alors là, elle devra apporter deux fois des corbanotes. Elle devra apporter deux séries de corbanes. Elle devra de nouveau attendre, dans le doute, elle ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, ce petit fœtus. Donc elle devra attendre 80 jours. Et après, une fois qu'elle va attendre les nouveaux 80 jours, eh bien, elle devra apporter cette fois-ci deux paires de corban. Deux fois une Ola, deux fois une Khatat. Pourquoi? Elle a eu deux accouchements. C'est-à-dire, lorsqu'elle accouche durant la période des 80 jours, alors le premier accouchement, c'est la continuité du premier, on s'acquitte avec un seul corban. Mais dès qu'elle est devenue imposée d'apporter un corban sur une première naissance, si finalement elle va avoir une deuxième naissance tout de suite, eh bien, elle devra apporter un deuxième corban pour celui-ci. Ok? Ça, c'est des données admises par tout le monde. La question de notre Mishnah maintenant, il est de savoir, sur la période intermédiaire, elle a fini les 80 jours, mais elle n'y a pas encore eu le matin du 81e jour. Elle est que pendant la nuit. Or, pendant la nuit, on ne peut pas apporter un corban. Donc cette femme-là, elle n'est pas encore imposée d'apporter le corban. Ouais. Maintenant, malgré tout, elle a fini la fameuse période de la première naissance. La preuve en est que, si le soir du 81e jour, elle va voir du sang, ce ne sera plus du Dame Tohar. C'est-à-dire, durant la journée 80, jour 80, depuis la naissance, elle va voir même du sang dans la journée. Elle est pure, il n'y a aucun sang impur. La Shkia arrive, la nuit tombe, les trois étoiles, elle voit du sang. Elle est impure cette fois-ci, c'est devenu une Nida. Elle devra attendre comme la période de la Nida, les 7 jours, 14 jours. Comme un cycle classique de femme Nida. Donc on voit bien que le soir du 81e jour, on a clos la période des 80. Mais d'un autre côté, elle n'est pas encore imposée d'importer un corban. Parce que le corban, il faut attendre le lendemain matin. Donc du coup, maintenant, elle accouche. Elle fait cette fausse couche-là, le soir du 81e jour. Est-ce que je veux dire, puisqu'elle n'est pas encore imposée d'apporter le corban, donc elle fait une fausse couche, un seul corban, une seule paire de corban, acquittera les deux accouchements.
Ou bien est-ce qu'on va dire, non, tu as fini la période, le premier tronçon de du premier accouchement, puisque tu as passé les 80 jours en plein, tu commences maintenant une nouvelle période, eh bien, la pauvre, elle fait une fausse couche, eh bien, c'est un deuxième accouchement. Elle doit apporter une deuxième paire de corban. En cela, discutent Beth Shammai et Beth Hillel, et puis, ils vont jouer au ping-pong. Un, il va rétorquer, l'autre, il va lui renvoyer, l'autre, il va lui renvoyer, et un truc, et comme ça, c'est tout le principe de la Mishnah. On a déjà même, en expliquant, on a déjà expliqué un peu les avis de chacun. On fait ça tout de suite dans les mots, vous allez voir, ça va être facile, Bezrat Hashem. Ha mapelet or lishmonim ve'echad. Mapelet, c'est, elle est fait tomber, ça vient de Nofel. Nofel, elle est à pile faire tomber. Ha mapelet, celle qui fait une fausse couche, la veille du 81e jour. Or, à la lueur, c'est-à-dire la veille, comme or l'arbe assar dans Psachim, c'est-à-dire la veille du 81e jour. Donc, elle fait une fausse couche la veille durant la nuit du 81e jour. Bet Shammai potrin mina korban. Bet Shammai dispense d'apporter une deuxième paire de korban. Le premier korban qu'elle s'est fait imposer acquittera les deux naissances. Ou Bet Hillel mechayvim. Et Bet Hillel impose. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel commence à ouvrir le dialogue. Ils ont dit à Bet Shammai, Maishna or lishmonim ve'echad mi yom shmonim ve'echad. Quelle est la différence qu'il y a entre la veille du 81e et le jour du 81e? C'est la même chose, toujours, vous savez bien, selon la Torah, la nuit, ça va selon la journée. Alors d'accord, tu ne peux pas apporter de korban, mais alors, il n'y a pas de raison. Ça veut dire quoi? On est entré dans la phase du 81e jour, ça y est, on a fini le premier accouchement, on débute maintenant une nouvelle vie, une nouvelle série, autre chose. Et im shavelo le tuma, lo ishvelo le korban. Constate, Tiferet Israël explique, c'est une deuxième question en fait. Dans le partenariat, c'est pas machin comme ça, mais en tout cas, ça revient en même, c'est un peu la même idée. Il se contente pas juste de dire qu'est-ce que ça change, il rapporte même une preuve concrète. Regarde que si elle a vu du sang durant la journée 80, c'était du dam toar, c'était du sang pur. Alors que si elle va avoir du sang la veille du 81e, le soir du 81e, alors ce sera un sang impur. Tu constates qu'à propos du sang, le soir du 81 est comme la journée du 81. Im shavelo latuma, s'il a le même statut par rapport à l'impureté, par rapport au sang impur qu'elle va avoir, loish velo le korban, alors n'est-ce pas une raison qu'il aura le même statut par rapport au korban, de se faire imposer d'une deuxième paire de korban? Amroulaim bet shamay, ils ont rétorqué bet shamay, lo, non. Im amartem bam apelet yom shmonim ve'echad. Si je t'ai dit cette halakha, si lorsqu'elle accouche le jour 81, si tu as dit le jour où elle accouche le 81, qu'elle se fait imposer d'une deuxième série de korban lorsqu'au petit matin, elle a finalement fait sa fausse couche au matin, qu'elle aura apporté une deuxième série de korban. Pourquoi? Parce qu'elle est à présent sortie ou entrée dans une phase où, à un moment où elle est apte à apporter un korban, donc le petit matin se lève, elle est imposée d'un korban, elle fait sa fausse couche, elle se fait imposer d'un deuxième korban. Par contre, Tomru bamapelet orlishmonim ve'echad, vas-tu dire dans le cas où elle va faire sa fausse couche la veille du 81, le soir du 81, chez Loyatsa a Besha'a chez Iruya la vie bakorban, où pour le moment elle n'est pas encore entrée dans une phase où elle est apte à apporter un korban? C'est-à-dire, en fait, Beth Shammai te dit tout simplement, le jour se lève, t'as imposé d'apporter un korban. Un accident de parcours, deuxième fausse couche, eh bien, t'apportes un deuxième, parce que tu t'es fait imposer, et maintenant tu t'es imposé une deuxième fois, chaque fois tu t'es fait taxer un korban. Mais, lorsque ce n'est pas encore le moment d'apporter un korban, alors tu t'es pas encore fait taxer, tu n'as pas encore eu concrètement le devoir d'apporter le korban, il fallait attendre. De ce fait, on inclut tout, on englobe tout dans le même lot. D'accord? Selon Beth Shammai, en fait, dès que tu t'es imposé d'apporter un korban, tu l'apportes. Après, il y a un deuxième incident, eh bien, on réagit en fonction, on impose en fonction. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu n'as pas encore été imposé d'apporter le korban. Voilà la réplique de Beth Shammai. Sur ça, Beth Hillel, ils vont y revenir à la charge. Ils disent, oi, 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 oi. Amrou la haine, Beth Hillel, ils ont rétorqué à Beth Hillel. Vara m'appelle Yob Shmonim ve'echad shechal Yob Beshabbat. Regarde mon cher ami, mes chers amis de Beth Shammai, comment ça se passe. Si le 81e jour c'est un jour de Shabbat, une femme ne peut pas apporter son korban personnel à Shabbat. À Shabbat, on fait au Beth Amikdash que les korbanot publics du Shabbat, et si c'est Yom Tov, on fait aussi Yom Tov, comme le pasuk dit constamment Bemo'ado. Bemo'ado, ça veut dire à sa date. Mais sinon, pour tous les korbanes privés, personnels, individuels, eh bien, on ne les apporte pas à Shabbat.
en l'occurrence. Imaginez maintenant que cette femme-là, elle finit ses 81e jours, c'était un vendredi. Donc elle rentre dans le 81e jour, c'est un Shabbat. Or, elle ne se fait pas imposer d'apporter le korban, puisque c'est encore Shabbat pour le moment. Et pourtant, c'est une halakha admise. Si elle va faire une fausse couche le 81e jour qui est tombé un Shabbat, elle devra quand même apporter une deuxième série de korban. Regarde, Machamay, elle ne s'est pas faite encore imposer d'apporter un korban. Si elle ne se fait pas imposer un korban, elle doit quand même apporter un korban. Ça signifie que finalement, le devoir d'apporter une paire de korbanot pour un accouchement n'est pas lié au devoir que tu te fais concrètement taxer. Non. Dès que tu es entré dans le 81e jour, même si tu ne peux pas porter le korban, tu devras apporter maintenant. Et ben on est entré dans une nouvelle phase, même s'il n'y a pas de possibilité d'apporter un korban. De ce fait, il en va de même pour le soir du 81e jour, la veille du 81, quoi. Que même si c'est pas le moment d'apporter un korban, on entre dans une nouvelle phase, il faudra apporter le korban. On fait ça dans les mots. Amroulem Bethilel, ils ont rétorqué Bethilel. Vare amapelet yom shmonim ve'echad shechaliot beshabbat tochiach. Regarde donc celle qui va faire une fausse couche le jour du 81e, qui va tomber un jour de Shabbat, tochiach, qui va te prouver le contraire, que ta svara, que ton explication elle est fausse. Pourquoi? Cette femme-là n'est pas encore entrée dans une phase où elle peut concrètement, où elle se fait concrètement imposer d'apporter un korban. Et malgré tout, elle se fait imposer d'une deuxième série de korban. De ce fait, je te déduis de là qu'il en va de même pour la femme qui va faire sa fausse couche le soir du 81e jour, que même si elle ne peut pas apporter son korban, elle se fait imposer d'une deuxième série de korban. Amrou la'em bet shama, ils ont rétorqué bet hilel lo. Non, tu n'as aucune contradiction de ce que tu m'as rapporté. Pourquoi? En deux mots, c'est du bluff ta question. Parce que lorsque arrive le jour du 81e jour de Shabbat, Béhémet, la femme, elle se fait imposer d'apporter un korban. Béhémet, elle a imposé d'un korban. Elle ne peut pas l'apporter concrètement. Mais elle est arrivée à un stade où, aujourd'hui, c'est un jour de korban. Donc la preuve en est qu'à Shabbat, on apporte des korban. Donc tzibour quand même. Alors c'est vrai qu'individuellement, on ne réussit pas à la taxer parce que c'est pas le moment, parce que le Shabbat empêche d'apporter un korban. Mais c'est un jour où on se fait imposer des korbanot, puisque c'est un jour qui est apte à apporter des korbanot. Voilà l'idée de Beit Shammai. Regardez dans les mots. Amroulem Beit Shammai, ils ont rétorqué Beit Shammai. Lo, non, c'est faux. Ima Martem Bam Apelat Yom Shmonim Veichad, si vous avez dit qu'une Shechaliot Beit Shabbat, si tu rapportes le cas d'une femme qui fait une fausse couche le 81e jour qui tombe à Shabbat, chez Af Alpi, chez Enouraoui, les korban yachid, même si ce jour-là n'est pas un jour apte à apporter un korban yachid, un korban individuel. Raoui les korban sibour, c'est quand même un jour qui est imposable de korbanot. Donc de ce fait, la femme elle se fait taxer du korban. Tomrou ba mapelet or le yom or le shmonim ve'echad. Vas-tu me dire, par contre, pour celle qui va accoucher un soir, la veille du 81e jour, chez Enalaïla Raoui, l'ol le korban yachid, velo le korban sibour, que c'est un jour où on n'est pas du tout imposable de korbanot pour le moment. Et maintenant, il continue à... Maintenant, vous vous rappelez, le Tiferet Israël nous a expliqué qu'il y avait deux questions. Une première question, c'est Stam. Quelle est la différence entre le soir du 81e jour et le jour du 81e? Donc on a bien expliqué la différence. Et maintenant, à part ça, ils ont posé une deuxième question. Et regarde à propos des Ilchot Touma, que par rapport à l'impureté, le soir du 81e, il est considéré comme le jour du 81, et pas comme la journée précédente du 80. Alors sur ça, Adamim Enan Mochirchin, les lois du sang non plus ne sont pas une preuve, ça prouve rien du tout. Pourquoi? Regarde une halakha spéciale. Shama pelet betoch melot dameat meim. Constate que une femme, je traduis, une femme qui fait une fausse couche pendant les 80, betoch melot, ad melot yemetaor, c'est l'expression de Bezouk, donc betoch melot pendant les 80 jours, dameat meim, son sang sera impur. Uptura mina korban, et malgré tout elle est dispensée d'apporter un korban. Il rétorque, Beit Shammai, il dit une halakha très importante. On a dit qu'une femme qui va faire sa fausse couche le 78e jour, 79, 80 même, alors elle est dispensée d'apporter une deuxième série de korban. Mais question, une femme qui accouche, elle doit malgré tout patienter désormais, depuis son accouchement, 14 jours d'impureté, puis après 66 jours. Une femme qui fait une fausse couche pendant les 80 jours, eh bien, elle devra malgré tout démarrer un nouveau décompte de 14 plus 80. Cas concret. 75e jour, la femme, elle était déjà tombée enceinte, donc après 3 semaines. Et puis, il y a un bébé, un fœtus de 41 jours déjà, elle plus même, elle va faire une fausse couche le 75e jour. Pendant que, en théorie, pendant cette période, dès qu'elle voit du sang, c'est du dame toar, c'est du sang pur. Mais là, on ne parle plus de voir du sang de Nida, qu'on va le purifier.
On parle de mettre concrètement, faire un deuxième accouchement. Là, cette femme-là, il n'y a rien à faire. Elle devra désormais patienter 14 jours supplémentaires, donc 75. Elle redevient impure jusqu'au 89. Et à partir du 89, elle commence maintenant à compter 66 jours supplémentaires. Donc, faites le compte, ça va faire 95 et plus 155. Elle va attendre jusqu'au 155e jour. Et au 156 seulement, elle pourra porter son corban. Un seul corban, parce qu'il y a eu un seul accouchement dans toute cette période. Parce que le deuxième accouchement dans les 80 jours, il a le même statut que le premier, parce qu'elle ne s'est pas encore faite imposer de corban. Mais malgré tout, par rapport aux lois d'impureté, elle se fait impurifier. Donc tu constates bien que finalement, les lois de pureté et impureté, le sang, est-ce qu'on considère comme pur ou impur, n'impliquent pas, ne fonctionnent pas en parallèle avec le devoir d'apporter un deuxième corban. De ce fait, toi, Beth Hillel, tu as voulu me prouver que le statut du 81e jour, du soir du 81, il est comme le jour du 81, en me prouvant à partir du sang que la femme va voir, parce que le sang, dès qu'elle va voir le soir du 81, il n'a plus le même statut que le 81, mais il a le même statut que le 81. C'est pour ça que j'ai dit le sang, et alors le sang, ça prouve rien par rapport au devoir d'apporter des korbanot. D'accord? C'est la rhétorique qu'on refait ça dans les mots. Adamim enan mochirim. Les sangs ne prouvent rien. Shamapelet betoch melot, car une femme qui fait une fausse couche pendant la période des 80 jours, Dameat Meim, son sang sera impur. Elle repart pour une nouvelle série maintenant de 80 jours. Et pourtant, Uptura mina korban, et pourtant elle est dispensée d'apporter un korban. Donc il n'y a pas de rapport. Tu peux pas. Les lois de pureté et d'impureté du sang ne prouvent rien pour les lois d'apporter des korbanot. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.